Après la coordination provinciale du COPIL la semaine dernière, le tour est revenu au maire et président des conseils départementaux d'avoir été convié par le premier responsable administratif de la province du Haut-Ogooué. Au menu de cet entretien, l'intensification sans limite de la sensibilisation sur le SARS-CoV-2 auprès des populations, ainsi que l'application quotidienne de certaines stratégies de riposte, telles qu'énoncées par les experts de la santé. Il faut aller au bout des stratégies. Et les stratégies, elles sont énoncées. Elles sont énoncées par l'ensemble des équipes scientifiques, relayées par les autorités politiques, les plus hautes autorités politiques de notre pays, que nous devons relayer à l'échelle des provinces, que nous devons encore davantage relayer à l'échelle de nos communes, de nos départements, de nos cantons, de nos regroupements de villages et de nos villages. Pour une meilleure lutte contre la COVID-19 dans cette région devenue le deuxième foyer de la pandémie dans le pays, Jacques Denis Tsanga n'a pas omis d'inviter l'ensemble de ses élus locaux à faire preuve de responsabilité. Je vous exhorte à prendre cela à cœur. Un maire, c'est un homme d'action. Un élu, je veux dire, c'est un homme d'action. Armons-nous de méthodes pratiques pour que nous puissions, dans notre province, mener une bien meilleure lutte et faire qu'il y ait moins de contamination et que nous continuions de travailler. D'autres rencontres du genre sont prévues se tenir dans les tout prochains jours.